lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul encore. J'ai fait quelques petits achats à Stocco et Kiko. Et j'ai encore reçu un petit ustensile de cuisine d'AliExpress que je vous avais pas, que je vous avais pas encore montré. Donc je vais peut-être commencer par ça. Par contre le prix, je l'ai pas sous les yeux. Donc je vous le mettrai à l'écran. Donc je me suis commandé un petit entonnoir, mais bon il arrive comme ça, donc en silicone. Pour, voilà, pour transférer les liquides. Un petit entonnoir bien pratique en silicone. Ça ne va pas coûter bien cher, je pense. Donc voilà, j'en avais besoin. Donc je m'en suis pris un. Voilà. Moi et mes ustensiles de cuisine. Alors ensuite, à Stocco, je crois que j'ai encore mon ticket de caisse. Oui, je l'ai là. Donc je me suis pris un bain et douche fraîche air en maxi format. Ouais, franchement, maxi format. Hein. Ça fait 600 ml. Donc au melon et à la pastèque, sans parabènes, fabrication française. Et ils sont super bons. J'adore l'odeur du melon. Hein. Melon pastèque, c'est trop frais. Ça, voilà. Avant l'été, hein. Voilà, normalement je l'utilise en été celui-ci, mais bon, je vais voir quand c'est que je vais le sortir. Mais enfin voilà, j'adore, c'est super frais. Et voilà, vu que là on a vraiment du temps de merde, je pense que ça va me faire du bien. Voilà, ça va me faire voyager sous la douche. Donc ça, ça m'a coûté 1,99€. Voilà, donc c'est rien. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un lait de douche Caresse Body Shower Cream, donc à la fleur de coton, des terres ensoleillées, 0% parabènes et colorants, en 500 ml, donc chez Bifas, donc toujours à Stocco, et celui-ci, je l'ai eu à 1,79€. Donc voilà, des gros formats comme ça, je préfère parce que ça sent bon propre, et voilà. Donc à tester. Mais bon, je pense que oui, je continuerai à acheter voilà, mes gros formats gel douche à Stocco, ça vaut vraiment le coup et ça va me permettre de voilà, changer plus souvent. Et voilà, je préfère les gros formats. Et je me suis pris aussi une bougie donc, de chez Better Homes and Garden, made in the USA. Donc c'est la Chilled Berry Lemonade, c'est la limitée. L'édition limitée 2014, mais elles sont trop bon. Toute rose, elle est toute jolie. Il n'y a qu'une mèche, mais je sais pas comment vous décrire. C'est sucré, voilà, sucré fraise et moi j'adore. Elle, bah voilà, ça va me faire une. J'ai une moyenne jarre, hein, je pense. À côté de la. Quoi qu'elle est peut-être un petit peu plus grosse que les moyennes de chez Yankee Candle. Mais je sais pas trop combien d'heures de 25 heures. Je crois que c'est écrit 25 heures. Donc à voir. Mais enfin pour l'instant, je la laisse déjà recouverte et elle embaume déjà. Donc c'est cool. Et elle m'a coûté 5,99€. Donc franchement, ça va. Je me suis pris aussi une brosse style Tangle Teaser, voilà, avec une petite poignée pour l'avoir en main. Ça m'a coûté 1,99€ et je m'en suis servi là, juste là. Et voilà, ça, bon. Ça fait son job, voilà. J'utilise quasiment plus que ça moi maintenant. Avec mes super cheveux qui s'en mêlent toutes les 5 minutes. Mais moi j'aime bien et ça fait le job quoi. Et je me suis pris aussi un rouge à lèvres, donc c'est de chez Je mets Maybelline. C'est le teinte 207, le Pink Fling. Dans un emballage comme ceci. C'est celui que j'ai actuellement. Donc c'est crémeux. Ils sentent bon. Mais bon, hein, clairement, à mon avis, la tenue, c'est walou, hein, mais bon. Bon, vu que je suis habituée aux mattes Huda Beauty qui tiennent toute la journée,
L'autre jour, j'en avais un, bah, je l'ai pas là, il est encore dans mon sac. Voilà, je l'ai posé le matin à 8-9 heures et je l'avais jusqu'au soir 21 h. Donc en ayant mangé tout ça, il avait pas bougé. Donc voilà. Mais celui-ci, donc 3,99 pour celui-ci. Voilà pour Stocco. Ensuite, j'ai été faire un petit tour à Kiko. Donc je me suis repris deux vernis. Donc là ils étaient ils sont moins chers quand vous les prenez par 5, je crois, mais moi j'ai déjà mes tiroirs qui sont plein. Donc voilà, donc j'ai pris le 332, donc un joli violet. Et bon, c'est celui que j'ai sur mes ongles actuellement. Mais bon, mon top coat, mon pochet étant en fin de vie, voilà, j'ai dû en mettre un autre. Et clairement, bah, il a beau être sec, il fait quand même des traces après. Donc, bon, je sais que de toute manière, ça va pas tenir toute la journée, étant donné que j'ai des étiquettes à nettoyer au boulot là en ce moment. Donc, voilà. Donc, 1,90€. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu de la casse. Hein, voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo nail art pour le moment. Parce que voilà, j'ai. Surtout cassé, j'ai le pouce complètement à ras. Vu qu'il est à ras, bah, j'ai tendance à le ronger. Et jusqu'au sang. Donc, c'est pas cool. J'espère que je vais réussir à le refaire repartir. Parce que bon. Ouais, moi, quand j'ai les ongles courts, et bah, je les ronge. Donc, ouais, là, ils ont bien morflé. Et puis, bon, vous voyez, le top coat, il est vraiment naze. Mais bon. Donc, le 332, donc 1,90€. Et j'ai pris le 271, pareil, à 1,90€. Mais bon, il n'y a pas de soleil, vous verrez pas, mais normalement il est léger, il a des paillettes holographiques. Donc lui aussi je l'ai mis en accent nail, mais il n'y a pas la lumière qu'il faut pour vous voyez. Donc voilà les vernis. Ensuite, je me suis pris une base à paupières. Donc c'est la neutrale. Parce que bon bah je suis en galère de fard. Je suis en galère de base. Donc je vais tester celle-ci. Elle m'a coûté 7,95€. Je trouve que ça fait un peu cher quand même. Bah pour un petit format comme ça, enfin je sais pas, donc je vais tester, je vais voir, mais après je voudrais tester la PB cosmétique, mais bon je suis pas allée en centre-ville, donc mais à voir ce que ça donne. Je sais pas si elle est teintée ou quoi. Ouais, elle est beige comme bah là j'avais la Lorac échantillon, elle est finie, donc voilà, je vais basculer avec celle-ci, je verrai bien ce que ça donne. Hop, on va ranger. Et ensuite, je me suis pris un long lasting stick, donc en teinte 38. Yep. Voilà. J'en ai beaucoup entendu parler de ceci et j'ai regardé et j'ai essayé de trouver une teinte qui me correspond un peu. Donc je me suis dit je vais tester une marronnée. Donc je m'étais fait un swatch et ouais, j'ai vu que voilà, ça tient très bien. Donc voilà, pour les jours où bah j'aurai pas forcément le temps de me maquiller ou quoi, je vais essayer de tenter ça en hein, au doigt et peut-être un petit peu un fard un peu plus sombre en coin externe, mais pour que ça soit relativement rapide. Et voilà, ça tient très très bien. Là il n'est pas encore sec, donc je peux encore le travailler et ça se travaille très bien quoi. Donc c'est un chocolat avec des petites paillettes dorées, voilà, vous voyez, il s'estompe bien. Et une fois que ça va être sec, et bah, ça va tenir. Donc je vais pas le laisser sécher trop. Mais donc à voir. Donc c'est le 38. Et ça m'a coûté 6,95€. Donc voir combien de temps ça dure. Et voilà, si j'aime bien, je pourrais m'en reprendre d'autres teintes. Voilà pour ça. Donc, là. Mais je pense que là, je vais mettre la lingette parce que sinon, je vais galérer pour l'enlever.
hier, j'avais beau me laver les mains, ça partait pas. Hein. Ouais. Donc lingette démaquillante. Hein. Parce que de l'eau et du savon, ça part pas. Voilà pour ma petite. Mon petit craquage chez Kiko. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée parce que bon, je trouve que les prix ils ont quand même bien augmenté. Et les nouvelles connexions me plaisent pas plus que ça en fait. Donc voilà, et niveau vernis, bah, j'ai largement ce qu'il faut. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Don't take the time, should be me that you're watching. What's on your mind, so you can't keep me off it. Lips my lie, but my heart beating on it. But my heart beating on it.